voix ici? Oui, c'est l'écho. Hé oh! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh. Une barricade. Mais c'est quoi? C'est pour empêcher quelqu'un d'entrer et de sortir. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. La Sainte Vierge. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. Rien ici non plus. Alcool? Dans une église? Oh, quoi qu'il y ait du vin, c'est vrai. Bon, je crois qu'on a tout ramassé. Il y a une fenêtre cassée et une échelle. C'est peut-être une sortie. On n'a pas été voir là. Y'a rien? Non, y'a rien. Vas-y, monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, y'a quelqu'un. Les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez, c'est dangereux. Vous n'avez rien à faire là. Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. Ok. C'est lui qui sait où est Laurentius? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh, ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands? Je ne pense pas, non. Y'a rien qui traîne. Oh, les textures sont vraiment bien faites. Hein. Du tissu. Ça y est, on va commencer à glaner pas mal de choses. Soufre. Alors ça, c'est tous des éléments qui vont vous permettre d'améliorer soit votre équipement en y ajoutant des nouveaux ingrédients, des nouveaux styles de projectiles, ou alors en améliorant la fronde ou votre pochette ou votre habillement. Alors ici... Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mais c'est pareil. Ok. Y'a rien là, si là. Encore de l'alcool. Du cuir. Ça c'est bon pour la fronde. Et ici y'a quoi? Rien. Alors c'est aussi très linéaire, hein. C'est très couloir-couloir. Pour louper un truc, faut le vouloir quand même. Même si ça va nous arriver, hein, ça c'est sûr. Ok, donc là, ici, on a tout nettoyé. Des fleurs, elles sont belles. C'est des œillets. J'en avais dans mon herbier. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Donc là, vous avez un petit descriptif, en fait, des plantes qu'on va trouver au fur et à mesure. Sinon, il y avait aussi le chapelet qu'on n'avait pas vu. Donc voilà, vous faites un arrêt sur image si jamais vous voulez voir tout ça. Ok. D'accord.
Alors ici, on a fait ce secteur-là. Il n'y a rien, c'est des tombes. On a récupéré 5 pierres sur 6, c'est déjà pas si mal. On va aller voir là-bas s'il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. De la corde. Du soufre encore. Rien d'autre. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Ça brille un peu. Allez, on avance. Ouais, désolé hein, si je parle pas trop, mais j'essaye de pas gâcher vos l'audio. Hop, rien là, des souches. Mon père. Encore vous. Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous supplie, quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Oh, Laurentius, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des trois saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village, de quel mal s'agit-il? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, les bubons, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et ça venait d'où? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Morel, restez ici. Frère Morel. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as? Mon père ? Ah!
Oh, ils l'ont pas loupé, hein. L'autre frère, on va devoir escalader ça. Je dois poser la perche. S'il te plaît. Du calme. Il y a un support, on aura encore de la lumière. Oui, mais après... On trouvera bien. D'accord, il n'y a pas de lumière là. Hera, le père a parlé d'une issue par la crypte. Ah, monsieur, les trois statues. La crypte des trois saints, c'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Je vais t'aider. D'accord. On a récupéré cette pierre. Là par là on peut pas passer. Non. Ça aurait été trop simple. D'accord. Là-haut, Amicia. On doit pouvoir. Ils les ont tous mangés. Ne regarde pas, Hugo. On ne peut plus rien pour eux. C'est horrible. Je sais. Allez. D'accord. On peut plus rien prendre. C'est fermé. Oui. Oh, ça grouille. Ça, on a récupéré. Rien d'autre. Pas d'alcool, rien. Ok, y a rien là. Pas convaincu hein, sur le gameplay, sincèrement je trouve ça assez pauvre. Il y a quoi, il y a 2-3 touches que vous allez utiliser sans arrêt, voilà. Enfin, je sais pas, c'est, ça me laisse un peu dubitatif hein. Du cuir. Passer en même temps. Suis-moi. C'est bon, on est passé. Alors,
Ça fait quoi? Réduit le temps qu'Amicia met à sortir et charger sa fronde. Ok. Réduit le temps nécessaire pour atteindre la précision maximum. Peut contenir 12 matériaux de chaque type. Bon, pour l'instant, on va laisser tomber ça. Padre. Alors,